Je vais vous parler donc de l'identification au cinéma, c'est-à-dire l'identification des personnages que le film produit, et non l'identification au personnage qui, elle, est l'affaire des spectateurs et qui réfère à leur transfert, à leurs besoins pulsionnels, mentaux, charnels, etc. Et donc, je vous disais, dans le même sens, j'avais vu deux films, Falling et The Father, qui sont de 2020, et justement qui jouent cette identification, cette construction de l'identité à partir de sa décomposition même. Donc, qui nous montre la désidentification d'un père dans Falling. C'est-à-dire d'un père qui se décompose et qui révèle à mesure qu'il se décompose de quoi il était composé, de quelle haine pour son fils, pour la filiation, pour la femme, pour la vie et autre que son symptôme. Et c'est très émouvant parce que, évidemment, il y a le fils qui est là, qui est aussi le metteur en scène, et Mortensen, je crois, et qui est d'une patience infinie. C'est le patient en train de voir le déchaînement et autodestructeur de l'instance paternelle et à laquelle il croit encore. Et cette identification du père qui se décompose, et bien sûr le thème est un peu dans l'air du temps, contre le patriarcat, etc., mais il me semble que ce n'est pas vraiment la veine forte du film, c'est plutôt comment cet être qui se décompose, finalement, disparaît, se dissout en tant que père pour se retrouver homme et dans les bras d'un autre homme, son fils, qui pleure et qui hurle, qu'il en a marre de ce jeu, et se retrouve aussi gisant sur la neige en train de revisionner dans sa mémoire la beauté de la femme, de la première femme, qui était en effet belle, superbe humainement aussi, et équilibrée, et qu'il a larguée parce qu'il était trop morbide. C'est d'ailleurs ce que font souvent les femmes, elles partent quand ça sent le morbide. Mais lui, il sentait le morbide très vite. Et dans la première scène du film, on le voit rentrer dans la maison avec sa femme, sans doute qu'il l'a ramenée de la maternité, avec le bébé, ou d'une promenade, on ne sait pas trop, et il dit « ça sent la mort ». Et c'était simplement le bébé qui avait fait ses besoins. Et lui dit, ça sent la mort. C'est-à-dire, et voilà, il aurait voulu de la vie sans déchet, sans saleté, moyennant quoi il a sali et salopé toute la vie autour de lui et par ses déchets physiques et mentaux. Et l'autre film, c'est The Father, mais là, c'est la décomposition d'un père par la perte de mémoire et qui se révèle être finalement d'une richesse, d'une complexité, ben, finalement s'identifier, construire une identité, c'est se construire une mémoire à travers des événements de mémoire, des bribes de mémoire, des rappels, mais aussi des appels. À quoi êtes-vous appelé? Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Et se décomposer, c'est aussi
une perdition de mémoire, mais qui est elle-même structurée et ben, d'après ce qui se présente. Et on voit un merveilleux tissage opéré par cet homme, un tissage de que fait sa mémoire, et entre ben, sa réalité, celle qu'il rêve, celle qui finit par s'imposer, l'EHPAD, et les personnages qui circulent, les rôles qu'il il organise un vrai manège entre les différents personnages de son drame, et il arrive finalement à être ce qu'il est, un homme, un père qui, ben, qui a perdu sa mémoire, mais qui vit. Et c'est une belle identification, et si on arrive à tenir le coup des pans entiers qui s'effritent, mais il reste étonnamment la vie. Et je vous avais dit une fois que cette vie n'est pas inerte, que j'ai vu des Alzheimer qui, du fin fond de leur oubli total de la mémoire proche, évoquent avec une richesse fabuleuse des souvenirs plus lointains et encore plus lointains. Et j'en ai vu un encore hier. On était à table et j'ai chanté une chanson et il l'a reprise. Et c'était une chanson de son enfance.